En tout cas, considérez-les comme tels, longez-les, vous trouverez un passage piéton avec un commissaire au passage qui vous fera traverser en toute sécurité. Les chiens sont tenus en laisse et puis sur tout le site.
Voilà, vous savez tout pour Maxime Livio. Vous pourrez le suivre donc avec le 633. Et le cheval qu'il monte, Vegas des Boursons, aura été 13e du championnat du monde des 6 ans. Il en a 11 maintenant. Maxime Livio on Vegas des Boursons is on the course now. Clear over the first three fences. For 641, Romain Sens, one of the young French upcoming riders with Une Étoile de la Serre. He is clear. Stable combination. And for Alexis Gouy with Trompe-l'œil d'Emery, after a refusal on 13A, they've gone clear of the rest. Just about to cross the finish line now, Alexis Gouy. So he'll have 20 jumping penalties, 14 time faults in 6:49, and a final score of 65.8. Alexis Gouy qui vient d'arriver avec Trompe-l'œil d'Emery, avec bon, le refus, on vous l'avait dit, sur le 13. Donc 20 points de pénalité et le temps dépassé de 14 points, chronomètre en 6 minutes 49, le tout portant son score final à 65.8. Prochain départ imminent et ce sera pour la Chine avec Flandia 2. On a le plaisir d'accueillir des cavaliers chinois cette année sur cette 24e édition du Grand Complet. Il s'appelle Yingfeng Bao et il sera au rennes d'une jument westphalienne qui a 14 ans. Ce sera le 605 à suivre. Well, still good news for the two riders on the course. For Romain Sens, he's clear through the Vieux-Pin Lake, clear over 14 and 15. The corner combination, 15, sponsored by Technibelt. 16 and 17 also clear. There's two very close fences, so now on his way back, on track, back towards the Normandy Lake. For Maxime Livio there, clear through the Orne waters, clear also over the steeplechase fence number 10. Maxime Livio, pour l'instant, tout va bien. C'est jusqu'au numéro 10, c'est le cavalier de l'écurie Greenpex Cavalassure dans ce Grand National, aux côtés d'un autre médaillé, mais des Olympiades de Rio, cette fois-ci Mathieu Lemoine, qui le rejoindra tout à l'heure sur le cross. Ils étaient sur la troisième marche du podium national à Jardy au début du mois de juillet. Prochain à arriver, ce sera Romain Sens, le quadruple médaillé des championnats d'Europe, la jeunesse française avec Une Étoile de la Serre qui pour l'instant signe un parcours sans encombre. Il sort actuellement du guet de la région Normandie. Il est également sans faute jusqu'au numéro 20, léché du vignoble Noëlla. Direction l'ultime montée du parcours avec le banc des producteurs locaux de l'autre côté, là-bas du parc du Haut-Bois, à l'opposé du château donc. Pour Maxime Livio, tout va bien jusqu'au numéro 12. Et voilà, l'obstacle vert, l'étal des producteurs locaux bien franchi. Il ne reste plus que quelques mètres pour les poteaux d'arrivée. Donc 14,4 de pénalité. A réussi à rentrer dans le temps, donc le scénario reste ouvert quand même. Well, this competition is going to be very close, and we don't know what's going to happen because the time is apparently very difficult to make. We're on a short format, so of course a certain number of jumps which are very close together, so very difficult to get into that 570 meters galloping stride. Romain Sens and Une Étoile de la Serre are home in 6:50. They're clear across country, but 14.4 time faults. That's 59.8. to finish this competition. Just started number 605 for China. Yingfeng Bao riding Hufeng Shen and Yu Li's Fiandia 2, a Westphalian mare, aged 14. They're on a score of 36.2. Ouais, ce bel obstacle de boulot qui vient de franchir le cavalier chinois, c'est le numéro 2. Donc l'Esterpade direction la première grosse montée du cross avec la direction du parking camion et puis le Belvédère Caballero pour le cavalier chinois. Vous le suivez avec le dossard 605. N'oubliez pas les amis, hein, quand ils passent à côté de vous, quelques petits applaudissements pour leur donner un petit peu de courage, ça peut leur faire toujours plaisir. Et en coulisses, ils nous le disent, hein, que
Vous savez mettre une ambiance si particulière ici au Grand Complet. Ils affectionnent tout particulièrement ça. Donc cette année encore, n'hésitez pas, vous êtes masqués, mais vous pouvez les applaudir à chaque passage. Maxime Livio coming now towards the last fence. They've gone clear across country. Just one fence from home. And four. Yingfin Bao, Flandia the second, has started to the course. He's over the first three. Coming into the first combination fence. That's fence four. The cottages, Sorexil cottages, and then five and six on the terraces of the Haras du Pin Château. Maxime Livio and Vigas de Bourson home in 6.29, six time faults, and a score of 58.5. Il avait galopé pourtant, hein. 6 minutes 29 pour Maxime Livio et Vegas Desbourson. Soit du dépassement de temps, 6 points exactement, et un total définitif à 58.5 pour Maxime qui vient de rentrer. Pour l'instant, le cavalier chinois est le seul sur le cross, Yingfeng Bao et Flandia qui arrivent du côté des eaux de l'Orne. Just the Chinese combination on the course at the moment, number 605, Yingfin Bao with Flandia 2. They're clear up to fence number 11, clear through the on waters, clear through that National Stud stable combination. They're clear. Pour Yingfeng Bao, pour l'instant, tout va bien avec ce numéro 11, 12 même, qui est bien franchi avec Flandia. Prochain départ pour notre ami espagnol Gonzalo Blasco Botín dans quelques 30 secondes maintenant, avec un départ annoncé à 9h42 et 30 secondes. Avec Lightstream, il sera associé à un 11 ans, un Trakner, qui est un fils de Stairway. 46.9. A good round for this for our Chinese rider. They're clear over 13, that's the far lake at the far end of the course, the turnaround point. Clear also over 14, and they're coming into the Technibelt corner combination. Quite a lot of accuracy riding to be done on this cross-country course, and 15 ABC is no exception. Et c'est parti pour Gonzalo Blasco Botín, l'Espagnol, avec cet alezan. Direction maintenant des Jardins de Martine, ce bel obstacle fleuri. Et avec Lightstream, il est donc associé. Gonzalo Blasco Botín qui était victorieux du concours complet international de Madrid. Il était 7e à Saumur l'année dernière et 8e à Verano en Italie. Il était également des Jeux équestres mondiaux. À Tryon, 6 participations en championnat d'Europe pour celui que vous voyez maintenant avec son bel alezan qui a 11 ans. Vous le suivez donc, Gonzalo Blasco Botín, l'Espagnol avec le 608. Et on va voir le cavalier chinois revenir du côté de ce parc du Hautbois, à l'assaut maintenant de la région Normandie avec le dernier guet.
Et les derniers gros efforts également pour le couple chinois. Et l'arrivée pour le couple chinois, Yingfeng Bao, Flandia, qui parcourt, qui cross the finish line. C'est le seul mot que j'ai en tête, ma chère Karen. À force de vous écouter, je vais finir par parler anglais, dites donc. Avec Yingfeng Bao, et donc 11.2. Voilà, franchi la ligne d'arrivée. Merci beaucoup. Avec 6 minutes 42, 11.2 de pénalité de temps, et donc un total à 47.4. Ça. As my co-speaker said, Arnaud said, Yingfeng Bao just crossed the finish line, came home in 6:42. So there again, we still haven't made that optimum time of 6:14. 11.2 time faults added to his score, 47.4 to finish this competition. C'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Vous avez failli le dire en français. Ah ben dites donc, tout va bien ce matin. J'espère que pour vous aussi, tout va bien. En tout cas, la bonne humeur est là au PC Cross. La bonne humeur est là pour cette 24e édition du Grand Complet. Vous êtes très, très, très nombreux à suivre le plus beau cross du week-end avec le 4 étoiles. Attention, hein, parce que la Coupe des Nations arrive à grande foulée. Premier de l'équipe, ce sera Karim Florent-Lagouag en numéro 30. Et puis, on fera les équipes successives, 8 équipes successives dans cette Coupe des Nations cette année. La France est toujours en tête, mais ça, on aura l'occasion de vous en parler un tout petit peu plus tard. À l'approche des équipes, justement. Pour le 608, l'Espagnol Gonzalo Blasco Botín. Tout va bien, apparemment, jusqu'à l'obstacle numéro 8. Le 630, Mathieu Lemoine est en piste maintenant avec son baron d'État, à 9 ans, un fils de Damien Robet, qui appartient à Eric de Soultrey, qui a un score à 42.9. Le champion olympique que vous suivez avec le dossard 630 à l'assaut justement des chaumières Sorexil. Unfortunately for Gonzalo Blasco Botín, a refusal on 9B. A 9B, that's in the middle of the on waters. A little skinny fence there in the middle of the water for Gonzalo Blasco Botín. 20 jumping penalties incurred along the way. He's cleared it on the second attempt and gone on and cleared fence number 10. Gonzalo Blasco Botín with Lightstream for Spain. Just started Mathieu Lemoine, part of the Olympic gold medal team in Rio. He's here with Baron d'État, a 9-year-old sel français owned by Eric de Soultrey. They're on a score of 42.9. Et un refus, hein. Un refus signalé pour Gonzalo Blasco Botín avec Lightstream sur l'élément B du 9, soit les lacs de l'Orne. Alors un refus, hein, si vous découvrez les sports équestres, notamment le concours complet sur le cross, ça coûte 20 points. Hein. 20 points le premier refus, 40 si c'est le même refus, en tout cas sur le même obstacle. Et puis s'il y a un refus un petit peu plus loin sur le cross, c'est 20 points aussi. Au bout de 3 refus, c'est éliminé. Retenez-le bien, hein, puisque tout à l'heure, petite nouveauté, on viendra vous poser quelques questions, on viendra à votre rencontre au niveau des guets, l'entre-deux guets, pour vous poser des petites questions, savoir si vous avez bien suivi et si vous êtes calé sur ces parcours de cross. Deuxième refus d'ailleurs pour Gonzalo Blasco Botín. Donc si vous avez retenu, premier refus 20 points, deuxième refus 20 points aussi, puisque c'est sur un obstacle différent. Donc pour l'instant, le cavalier espagnol avec le 608 porte 40 points de pénalité et c'était sur le 13A. So Gonzalo Blasco Botín for Spain incurred a second refusal on the entry to the far lake, the far Vieux Pin Water. So
20 jumping volunteers added, so 40 total for the moment. Clear over the 15 ABC, the corner combination, and has just started. Just started for France, Luc Chateau with Vien Dumont. They're on a score of 51.5. Horse owned by the Ara des Châteaux, that's is the home stud. And it's a horse by Norway de Lalande, gelding age 11. Voilà, et le départ est donné à Luc Chateau maintenant avec Vien Dumont. C'est le 616 que vous suivez maintenant. Luc Chateau qui fait partie de l'écurie du Grand National Estime Olympe Immobilier. On a vu Stéphane Landois tout à l'heure. Voici son coéquipier, Luc Chateau, avec ce Vien Dumont donc. Fils de Norway de Lalande, du pur sang côté maternel, c'est Kings Road, appartenant au Haras des Châteaux. C'est donc le 20e couple à prendre part à la compétition ce matin. On se rapproche petit à petit de la Coupe des Nations. Premier départ des équipes au numéro 30, soit vers 10h12. Et Vien Dumont porte le 616. Gonzalo Blasco-Bottin in the last water now. For 630, that's Mathieu Lemoine with Baron d'Etat there clear through the Vieux-Pin Lake. 616, Luc Chateau is over the first seven fences, going now towards the Orne waters, first passage through the water. Eh bien, go, c'est parti pour Jean-Loup Bigot maintenant, qui est en piste avec son Action de Belém, celui qui a été champion des 6 ans, cinquième du championnat du monde des 6 ans également en 2016, qui lui a permis, eh bien d'être parmi les meilleurs à Jardy cette année. 7 championnats d'Europe à son actif, 2 Jeux équestres mondiaux, dont un titre de vice-champion du monde, et 2 Olympiades, 2 Jeux olympiques pour Jean-Loup Bigot, que vous suivez maintenant au départ, avec eh bien justement cette Action de Belém. C'est le 609 que vous suivez. Alors que l'Espagnol est arrivé, Gonzalo Blasco-Bottin, avec ses 2 refus sur le 9, sur le 13, soit 40 points de pénalité aux obstacles, 35,2 de pénalité de temps. Un chrono, World Sport Timing, c'est les chronomètres officiels, avec 7 minutes 42 et donc son score total à 122,1. A final score for Spain and Gonzalo Blasco-Bottin in a light stream of 122.1. 40 jumping penalties in 7:42, 35.2 time faults added to his original score. Dressage score of 38.9, show jumping 8 and cross country 75.2. So final total 122.1. Mathieu Lemoine, clear over 18. So he's not far behind Gonzalo. Of course, Gonzalo with 2 refusals went quite slowly. So Mathieu is going to be the next to cross the finish line with Baron d'Etat. Clear over 20. And just that last bench now for Mathieu Lemoine with Baron d'Etat. Luc Chateau and Vien Dumont are clear up to 13 included. They're through the lake. And for Jean-Loup Bigot, who started a little bit earlier with Action Belém, they're clear over the fences on the stud terraces behind the cross-country headquarters. Et l'arrivée de Mathieu Lemoine, le 630 avec Baron d'Etat, le champion olympique par équipe, signe un chrono en 7 minutes 01, sans faute aux obstacles et une pénalité de temps de 18,8, son score qui évolue à 61,7 avec et un petit fer perdu justement vers le numéro 8 en début de tour, ce qui ne l'a pas empêché d'être sans faute sur le reste des obstacles pour Mathieu. Sydney Dufresne est parti maintenant en direction le numéro 1. Sydney Dufresne, c'est celui qui était médaillé de bronze par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Tryon avec un certain Trésor Maï. Souvenez-vous, qui a participé à pas moins de 4 championnats d'Europe et avec Swing de Perdria. Il était parmi les meilleurs à Saumur l'année dernière, dans le top 20 à Patroni del Vivaro également. Bonne chance donc. Sydney Dufresne, vous le suivez avec le dossard 619. C'est la jument d'Iris de Fleurieux.
et une arrivée. Maintenant, c'est celle de Luc Château avec Vien Dumont. Luc Château qui signe l'un des meilleurs chronos, si ce n'est le meilleur chrono pour le moment, avec 6 minutes 22, soit 3,2 de pénalité de temps, sans faute aux obstacles. Son score qui évolue un tout petit peu, hein, avec 54,7. Voilà donc le résultat pour Luc Château, Vien Dumont, le fils de Norway de Lalande. Prochaine arrivée, c'est Jean-Loup Bigot, qui pour l'instant s'est déjoué de toutes les difficultés jusqu'à l'obstacle 13C, l'étang du Vieux Pin. Direction maintenant sa route du retour. Et puis nous avons Sidney Dufresne qui est sur sa route également avec le 619. Il arrive maintenant du côté des lacs de l'Orne. The fastest time this morning, Luc Château, Vien Dumont, has just come home in 6.22. 3.2 time faults and a total combined score of 54.7 penalties. Jean-Loup Bigot on the course, and Sidney Dufresne. Sidney Dufresne, who's clear up to fence number 8, coming towards the first water. Jean-Loup Bigot is on 15 ABC. Et on a une confirmation d'un refus à vous signaler sur un cavalier qui est déjà arrivé. Là est l'avantage des vérifications vidéo. Et justement, eh bien, Yingfeng Bao, c'est le cavalier chinois qui avait recoupé sa trace avant le numéro 15. Ce qui veut dire qu'il est cope de 20 points de pénalité par rapport au score qu'on vous avait annoncé. Yingfeng Bao for China. There was a refusal that's just been confirmed by the judges on 15B as he crossed his tracks in the combination. So his final score is in fact 67.4. C'est Gwendolen Fer qui vient de faire son entrée maintenant sur le cross. Gwendolen qui était victorieuse l'année dernière du 3 étoiles court ici avec son Throne Prince. Et puis nous l'avions également vu par trois fois au championnat d'Europe, celle qui s'offrait en 2017. Avec un certain Romantic Love, la victoire dans le difficile 4 étoiles de Pau. Gwendolen Fer s'élance maintenant vers le numéro 2. Et cette année, elle est au rennes de Arpège de Blégnac, qui est un 10 ans, un fils de Santander, qui appartient au haras de Conques. Jean-Loup Bigot signs cross-country in 6.23, 3.6 time faults, 36.2. And for the moment, that's the best score so far. He's riding Action de Belém, owned by Paul Gérard Olivon, Sébastien, and Anne-Laure Olivon. So finishes on 36.2. Sidney Dufresne and Swing de Perdria for France are clear up to fence number 11. And Gwendolen Fer, who's just started with Arpège de Blignac, owned by the Haras de Conques, is clear up to fence number 6. Attention, vous vouliez des stars. En voilà une qui s'apprête à prendre le départ maintenant, qui a connu déjà une victoire ici il y a de cela quelques années. Souvenez-vous, c'était en 2012 à l'occasion d'une étape Coupe du Monde avec Alunque. Le départ maintenant pour celui que l'on surnomme le Terminator, le numéro 8 mondial, Michael Young, est parti maintenant en direction du numéro 1 avec Fischer Rocana FST. Et quel palmarès pour ce numéro 8 mondial. Il est triple champion olympique, double champion du monde, 8 fois champion d'Europe. Pour l'instant, la star du complet qui arbore l'un des plus jolis palmarès de cette édition 2020. Et sur le cross maintenant, vous le suivrez avec le dossard 663. L'Allemand Michael Young monte pour la Brigitte et Joachim Young, qui sont les propriétaires de Fischer Rocana, qui avait copé de petites fautes hier sur le jumping avec Fischer Rocana. Donc il est huitième actuellement et il avait commis une faute sur le jumping hier, ce qui lui a fait perdre ses quatre places.
Michael Jung on the course now with Fischer Hockener IFST, this combination who knows this cross-country course here since they were part of the gold World Equestrian Games team here in Caen 8 years ago with the same Fischer Hockener. She's owned by Brigitte and Joachim Jung, and they're on a score of 30.3, lying eighth. Clear over the first four fences. Coming to five and six, the terraces, makes it look very easy as he goes and gallops behind us there. Et oui, Fischer Hockener qui connaît parfaitement bien ce cross, hein, Karen, comme vous le disiez. C'est avec cette jument qu'il a été vice-champion du monde ici à Caen en 2014 et champion du monde par équipe. Donc il connaît parfaitement bien ce cross, cette jument aussi. Alors Michel Jung qui se déjoue pour l'instant des six premières difficultés. Vous allez le voir arriver dans quelques instants du côté du premier guet avec les obstacles 8 et 9. Sydney Dufresne et Swing de Perdria sont arrivés avec un chronomètre de 6 minutes 45 sans faute aux obstacles, 12.4 de pénalité de temps, un score qui évolue à 45.9. Sydney Dufresne has crossed the finish line with Swing de Perdria 6.45, that's his time, 12.4 time faults, 45.9 a total. Gwendolyn Fair with Arpège de Blignac is clear up to fence number 15, so she's through the Technibelt corners. Michael Jung is clear up to fence number 9, the Oran Waters, clear through the first combination and has just started for the Republic of South Africa, Victoria Scott-Lujand with Valto des Peupliers. Prochaine arrivée, c'est pour Gwendolyn Fair avec Arpège de Blignac. Pour l'instant, les 17 sauts, 17 obstacles sont sans faute, suivi de Michel Jung qui réalise une bonne première moitié de parcours puisque les 10 premiers obstacles sont sans faute également. Et puis c'est la Sud-Africaine Victoria Scott-Legendre que vous voyez maintenant arriver du côté des terrasses du château avec un cheval qui s'appelle Valto des Peupliers. Qui eh bien justement est un 9 ans, un sel français, son Valto des Peupliers, qui est un fils de Tinka's Boy. Elle porte le 689, la Sud-Africaine. Gwendolyn Fair is through the last water, over fence number 20. Just that last little climb up to fence 21, the ultimate fence on this cross-country course. And still no riders have completed inside optimum time. Michael Jung is clear over 11AB, the stud stables combination, clear over 12. Coming now towards 13ABC, the lake combination at the far end of the course. Gwendolyn and Arpège de Blignac clear across country in 6.41, 10.8 time faults and a score of 47.6. Puts her into seventh place at the moment. Le départ pour le 690, Monsieur Félix Vogg, qui était déjà des nôtres l'année dernière. C'est le meilleur cavalier suisse au niveau international du moment. Il est numéro 25 mondial, celui qui était à Rio pour les Jeux Olympiques, qui était à Caen également en 2014, ou à Tryon pour les championnats du monde en 2018. 10 championnats d'Europe à son actif, vous le voyez arriver maintenant du côté des Chaumières Sorexil.
pour le numéro 25 mondial, donc Félix Vogue, que vous suivez avec le 690. C'est une jument qui s'appelle Cartania, qui a 9 ans, une fille de Cartani, petite fille d'un certain Clinton. Nous avons un refus également à vous signaler pour Victoria Scott Legendre, avec 20 points de pénalité, donc au compteur, c'était sur le 9B, elle continue son petit bonhomme de chemin, alors que le numéro 8 mondial, Michelle Young et Fischer Rocana, arrive avec un parcours sans faute aux obstacles. Belle énergie encore hein, pour la jument, on la voit galoper après la ligne d'arrivée, 6 minutes 24, ce qui veut dire qu'il y aura 4 points de pénalité de temps. Son score qui se voit porté à 34.3. 6.24 for the time for Michael Jung with Fischer Rocana FST for Germany. 4 time faults, 34.3 goes into first place at the moment, of course, on that score. And unfortunately, news for the other riders, there's one refusal for Victoria Scott Legendre on 9B in the middle of the Orne waters with Valto di Peuplier, but she's clear over it on the second attempt. And clear also over 11AB, the stud stables, clear through the second lake, the Vieux-Pin waters, clear over 14. Has started 690, that's Felix Fogg with Cartania for Switzerland, owned by Phoenix Eventing and the rider. 38.8 is their score after show jumping yesterday. They're clear over the first 7. Victoria Scott Legendre qui continue, elle est à l'assaut du numéro 16 maintenant, le tronc est... avec 20 points de pénalité à son compteur, Félix Vogue, qui vient tout juste de sortir des lacs de l'Orne. Pour l'instant, c'est un sans faute pour le cavalier suisse. On passe du côté britannique, hein, pour ne pas vous déplaire, ma chère Karen, en tant que britannique, vous aussi. Nicolas Lucet est aux commandes maintenant de Proud Courage, qui a 15 ans. Un britannique qui monte un cheval irlandais. Yeah, Nicholas Lucy on the course for Great Britain. Good luck, Nicholas, with Proud Courage, an Irish sport horse aged 15. And Nicholas, who's on a score of 41.5 after show jumping yesterday. For Felix Fogg and Cartania, clear over the Orne waters, clear over 9, and for Victoria Scott, clear through the Technibelt corners. So she's just got that one refusal on 9B in hand. That's 20 jumping penalties. And coming now to the last part of the course with the Normandy Lake, followed by the last two fences up that hill to across the finish line. Nicholas Lucy clear over the first combination fence, the Sykes-Hill Cottages. Et le cheval du Britannique, hein, Kazakh Noir, le Britannique, qui porte le 657 comme numéro de dossard, aura participé à des grosses échéances, notamment le mythique Burghley, c'était en 2016. Lumulaine également en 2017, un cheval qui connaît quasiment sur le bout des sabots, hein, puisqu'il le monte depuis 11 ans maintenant, ce Proud Courage, lui qui en a 15. On peut dire que c'est quasiment lui qui l'a fait évoluer jusqu'au plus haut niveau mondial. Alors que la prochaine à partir sera donc Phoebe Locke. On reste en compagnie des Britanniques avec la jeunesse britannique et ce jeune prodige. Vous allez voir comment elle monte, la fine équitation qu'elle a, Phoebe Locke, avec pas moins de 3 chevaux dans ce 4 étoiles et 2 médailles d'or déjà au championnat d'Europe jeune. 2 médailles d'or par équipe. Voilà donc le palmarès de celle qui s'apprête à prendre le départ dans quelques secondes. Phoebe Locke. Just starting for Great Britain, 2 British riders following each other. Phoebe Locke with Cooley Challenger. Phoebe, who's had a lot of success as a young rider and junior rider with several gold team gold medals. And for Victoria Scott Legendre, Valto di Peuplier, they finish in 6.51 with 20 jumping penalties, 14.8 time faults, and on a final score of 81.3. Felix Vogg is the next across the finish line. He's clear apparently up to fence number 18. So about to, here he comes there through the... Alors ma chère Karen, Victoria Scott est arrivée hein, avec 6 minutes 51. Il y avait 20 points de refus sur le 9B. Et donc, pénalité de temps, ça c'est sûr, 14.8, un total à 81.3 pour la cavalière sud-africaine. Prochaine arrivée, c'est pour le Suisse Félix Vogue, le numéro 25 mondial, qui est à l'assaut du dernier maintenant, l'étal des producteurs locaux.
Nicolas Lucet, tout va bien jusqu'au numéro 10, qui n'est autre que le Steeplechase. Et puis, on arrive également pour Fibiloc et Coulet Challenger sur la première combinaison, et notamment les terrasses du Château du Haras du Pin. Plus qu'un départ avant ceux des équipes, avant la Coupe des Nations, ce sera le Japonais Atsushi Negishi avec Vegas de l'Elfe, un 11 ans, fils de Tinka's Boy, le Japonais donc, qui va s'élancer dans quelques secondes. Felix Fogg finishes his cross-country course home in 6:27, 5.2 time faults and a score of 44 penalties. The two British riders, Nicolas Lucy, Proud Courage, Phoebe Lock, Cooley Challenger, both going well. Phoebe is clear up to fence number 7 on Cooley Challenger, horse that she owns. She's on 37.9. Nicolas Lucy, who is clear, he's clear through combination fence number 11, the stud stable combination. Clear over 13, ABC and 14. Alors, l'arrivée de Félix Vogue et de Cartania, sans faute aux obstacles, 6 minutes 27. Soit des petites pénalités de temps, 5.2 exactement, son score qui évolue à 44 points au total pour le cavalier suisse. Pour Nicolas Lucet, tout va bien avec Proud Courage. Le 657, ah ben non, tenez, on vient de nous signaler un refus sur le 15B pour Nicolas Lucet, soit 20 points de pénalité maintenant à son compteur. Unfortunately for Nicolas Lucy, 15B, the Techni Belt corners, he incurs a refusal. That's 20 jumping penalties. Clear on the second attempt and clear, so clear through that fence now and clear over 16. Phoebe Lock is clear through the on waters. And just starting for Japan, Atsushi Negishi with Vegas de l'Elfe JRA, horse owned by the Japan Equestrian Federation. They're on a score of 51.2. Donc un refus pour Nicolas Lucet, Phoebe Lock, tout va bien avec le 654. La cavalière britannique vient à l'assaut maintenant du numéro 11 à 11B, à savoir les écuries du Hara, là-bas, du côté des prairies. Et puis le japonais, Atsushi Negishi, Vegas de l'Elfe, sont apparus justement sur ce cross, à l'assaut maintenant du numéro 4, les chaumières Sorexil. Lui qui était des Jeux Olympiques de Londres, le cavalier japonais, qui était à Lexington également en 2010 pour les Jeux équestres mondiaux. Il a été médaillé d'or des Jeux asiatiques, médaillé de bronze du championnat d'Asie. Vegas de l'Elfe, que l'on connaît bien en France, hein, puisqu'il aura été monté par un certain Nicolas Touzin. Et puis le japonais Kenki Sato, qui est là également ce week-end. Et c'est Atsushi Negishi qui est donc eh bien, tout simplement en piste. Alors, maintenant, les amis, le prochain départ est très important puisque c'est un départ pour l'équipe de France. Vous savez, ce 4 étoiles est également support des Coupes des Nations. 8 équipes en lice cette année. La France est en tête après le dressage et le jumping puisque les 4 mousquetaires ont signé des parcours sans faute au... au jumping. Petit changement de programme. Il y a le 80 qui part avant Karim Florent Lagouag. Ce sera donc Nicolas Touzin et Eboli. Tenez, on en parlait justement de Nicolas Touzin, qui était l'ancien pilote de Vegas de l'Elfe, le cheval du japonais. Donc c'est le 645, Nicolas Touzin. C'est pour l'instant le cavalier le plus titré de l'équitation française qui s'apprête à prendre le départ, qui est déjà sur, à l'assaut du numéro 2 avec son Eboli. Fils de Zandor Z. Vous le suivez avec le 645, Monsieur Touzin. Pour Nicolas Lucet, eh bien, l'arrivée avec ses 20 points de pénalité au numéro 15, et donc 6 minutes 54, 16 points de pénalité, un total à 77.5. For Nicolas Lucet and Proud Courage, he crosses the finish line in the time of 6.54 seconds. The time penalties is 16. There was a refusal on number 15B. Means 20 penalties for the fences. Total score for Nicolas Lucet, 77.5. Next to
finish. Fibulok and Kulet Challenger, so far she's clear over the 18 first fences. And the Japanese combination is clear also until fence number 12. Nicolas Touzin est lui à l'assaut maintenant des terrasses du Hara, du château du Hara. Et donc je vous le disais, prochain départ cette fois-ci, c'est bien Karim Florent Lagouague qui sera le premier de l'équipe de France à s'élancer. L'équipe de France qui a, on pensait, une confortable avance, un petit peu près de 12 points d'avance face